En quelle langue voulez-vous jouer? Français. Je crois qu'il fallait que je fasse ça pour que vous ayez le son. Y a des shiny dans le jeu? Bienvenue dans mon univers. Par-delà le temps et l'espace. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Montre-moi ton visage. Quel nom portes-tu? Je m'appelle le Cram. Le Cram. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Le Cram part à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Vas-y, envoie le jeu, l'ancien, là. Mon téléphone. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui es-tu? J'ai eu un Pokémon Shiny. Un iPhone Shiny. Oh, attends, frère, wesh, c'est bon. Lise. Ok, c'est bon, je me réveille. Est-ce que tu es en vie? Wesh, c'est Peter Selch. C'est Petr Selch, le. Oh, le bonnet! Oh là là! Non, la qualité de la veste, par contre, abuse, wesh. Non, abuse, abuse. Abuse. Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Enfin, t'as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. C'est justement ce que je peux demander. Qui peut bien tomber du ciel comme ça? Et d'où est-ce que tu viens? Mais après, il est triste, wesh. Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Peut-être. Un-un. Je vois, quelle gang! Est-ce que tu as quelque part où aller au moins? Non, un-un. Autant ne pas nous faire répondre, hein. Donc pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. C'est le comble de la gang. Tu penses être capable de te débrouiller? Ouais. Frère, donne-moi juste un Pokémon, ne me rends pas ouf. Et ça sera Irisandre pour la génération or.
La génération dorée de l'humanité, c'est nous. Pokémon Or. Bon, j'ai compris, je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Brandy! Rissandre! Skimousse! Tu les avais presque oubliés, je courais après ces Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Bah, en fait, c'est mes Pokémon. Oh, les bottes! Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Pokémon? Abuse, frère. Ah, tant mieux. Tu as beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces trois Pokémon. Ah, quelles créatures étonnantes. Comment ça tu t'occupes après d'eux alors que tu viens... Tout à l'heure, tu viens de leur courir dessus. J'allais oublier comment tu t'appelles. Je m'appelle le Crame. Ça alors, le Crame. C'est un nom plutôt original. Mais je suis sûr qu'il a une belle signification. Oh, sorry, vraiment désolé. J'ai oublié de m'présenter, je m'appelle Professeur Lavande. Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses et je m'intéresse justement à ces trois-là. Mais arrête, frère. Oh, quel gang! Ces charmantes petites bêtes s'obstinent à toujours fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper, s'il te plaît? Please! Attendez! Les first. Ça, c'est la honte un peu. Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas. Donne ça. C'est mon téléphone, wesh. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. En plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smartseus. Est investi d'une mission. Part à la rencontre de tous les Pokémon. Il est malade, Arceus. C'est fait un business de fou. Oh, le jeu, comment il est vide, wesh. Oh, racheter des arbres, s'il vous plaît. Ils ont... Ah, il y a un petit bout de bois, là, par terre. Non, le jeu est vraiment moche, quand même. On verra plus tard, peut-être. Peut-être qu'ils ont investi sur la fin du jeu et pas le début. Oh, misère! Rien à faire, je n'y arrive pas! On dirait Bibi un peu ça. Oh, est-ce que tu es venu enfin m'aider? J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Ah oui, avant que je n'oublie, je ne vais te donner quelques informations sur ces trois Pokémon. Lui, c'est Brindibou. Et puis sa mère. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer de la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Brindy. Oh, les flammes de Hérissandre. C'est du carton, wesh. Wesh, c'est quoi ce Hérissandre de Wish? Lorsqu'il se lève, vous qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Et enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. Skimousse ! Fichtre, j'allais encore oublier l'essentiel, la technique pour attraper les Pokémon. Merci, mec. Ouah, les Pokéballs, t'es un bicri. T'es un bicri, frère. Blois, 1400. Merci, voilà, c'est pour toi, ce sont des Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper les Pokémon. 50! Abuse. Oh.
Vraiment désolé, c'est pas tout, bien sûr. Je t'avais déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas? Mais tu te demandes peut-être en quoi sont si étranges et étonnants. Bien, c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. C'est là que les Pokéballs interviennent. C'est une invention plutôt récente, tu sais. Et quand on en lance une vers un Pokémon, eh bien, figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Merci l'ancien, mais on sait déjà tout ça. Laisse-moi! Ah, c'est bon, frère! Vous pouvez attraper des Pokémon en leur lançant des Pokéballs. Arma, c'est un spell! Pour viser, maintenant le bouton ZR appuyé, puis continuer de vous déplacer. C'est quoi ZR? Ah, c'est R2, ok. Relâchez ZR pour lancer la Pokémon. Si celle-ci touche un Pokémon, vous parviendrez peut-être à le capturer. Appuyez sur B pour lancer. Wow, je dois torser les Pokémon, c'est incroyable. Hey, Lou, Erisandre! Non, toi, tu pues. Oh, ta mère, viens là. Ouais. Oh, fantastique, amazing. Tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te sera très utile pour vivre ici. Il te reste plus que deux Pokémon à attraper. Ah, on peut tout attraper. Ouais. Oh, viens là dans ta mère, oh. Il ou l'autre. J'ai pas le temps, poteau. Bravo le crâne, je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon, alors les attraper. Il n'en reste plus qu'un, trouve-le et capture-le. Viens là toi, rentre dedans. Oh, je fais que... Quoi? Eh oui, ce genre de choses peuvent arriver. Malheureusement, tes Pokéballs ne capturent pas les Pokémon à tous les coups. Et si encore. Je vais mettre... Bouge pas! Take the L. W, chat, W. Merci beaucoup, tu m'as rendu grand service. Easy dub. Comme je te le disais... Non, arrête de me parler, Zepi. On n'est pas potes, frère. Non, moi, ce qui me fait trop rire, les gars, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je l'ai regardé. Regardez la faille en haut, là. La faille en haut, là, au-dessus de la montagne. Ça, ils ont voulu mettre ça pour faire stylé et tout. Fallait pas la mettre, ça. Hein. C'est trop moche, sa mère. C'est un screen. Les arbres, ils ont pas de vie, frère. Tu dis que c'est un Smarceus? Eh non, c'est un Danew, mec. Tu te trompes, quel objet étonnant. On dirait vraiment qu'il te guide. Il est énorme, le bigot. Il est peut-être un peu trop tôt pour t'en parler, mais tu sais quel est mon plus grand rêve? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Bah allez, enlève ton bonnet alors, il fait 1000 degrés, frère. Tu sais ce que c'est qu'un Pokédex? C'est un ouvrage de recherche de pointe. Oui, je sais ce que c'est, frère. Je vais les attraper, moi, je vais les attraper. J'en peux plus. Mais un mec IRL, il me parle comme ça, la première fois qu'on se rencontre, j'insulte sa grand-mère, au bout d'un moment, j'en peux plus, frère. Ah, je dois y aller, ma mère m'attend. Merci, non, merci. Mon but est de rencontrer tous les Pokémon, nous pourrions collaborer. Il veut faire une collab, j'ai 8 ans, t'en as 50, frère. C'est d'accord, allez. Mais frère, je veux pas, wesh, il a cru que c'était mon daron. Allons, à rusticité, suis-moi, je t'y emmène. Le jeu est vraiment moche, les gars.
Oh non, la faille! C'est trop moche. Ah, qu'est-ce que c'est laid. Ah, c'est trop trop moche. Aigris un peu le crâne. Mais non, je... Puis tout à l'heure, je parle, je souris, je rigole. C'est pas ça, être aigri, s'il te plaît, wesh. Ah, cher ami, toujours de service à ce que je vois. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Wesh, même ses pieds, ils ne les ont pas modélisés. Je te permets donc de l'inviter au village. C'est le personnage principal, ils auraient pu faire ses yep quand même. Mais il voulait pas mettre de décor, hein, je crois. C'est Pixel XD. Suis-moi. Ah, mais ils nous ont fait une petite intro du village. Hein. Le groupe Galaxy, c'est pas des méchants, eux, putain. Il vient d'où? C'est une nouvelle recrue. Cela fait à peine 2 ans que le village a été bâti. Nous manquons de main-d'œuvre. Et sans recherche sur les Pokémon, il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Le bâtiment qui se reste plus loin n'est d'autre que le siège du groupe Galaxy. T'as mis les options graphistes et tu peux pas changer les graphismes. Oh, quel gang, j'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai retrouvé les 3 Pokémon. Mais t'as rien retrouvé, c'est moi! En attendant, tu veux bien attendre à la cantine du village. La cantine, on y va. Mais frère, on y était. Mais il va au même endroit en plus. Le Danyu réagit, c'est le Danyu maintenant. Grâce à un mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Comme de par hasard. Consultez la carte depuis votre Smartseus en appuyant sur le bouton moins. Elle vous servira de guide. Les indications pour atteindre votre prochain objectif sont également affichées lorsque vous vous déplacez. Pas besoin de carte alors. Mais c'est un jeu. Les gars, soyons honnêtes, il y a des jeux mobiles plus beaux. Mais de ouf en plus. Ah, je peux pas, je dois aller au restaurant. Je peux aller dans l'eau? Ah non, je peux pas, logique. Mais c'est abusé. J'ai faim! Arrête, moi je vais dire, j'attends de voir le gameplay. Si le gameplay me plaît, ça me dérange pas. Mais bon, c'est vraiment. C'est sorti en 2022, les amis. Ouais, mais laisse-moi manger, frère. C'est le professeur qui m'envoie. Vieux con, va. Tiens, oh non, me dis pas que c'est un 1v1. Azarma, il faut une armure et tout. Enfin, j'imagine que si les gardes t'ont laissé passer, tu dois connaître quelqu'un du village. Oui, je connais le professeur. J'y pense, tu connais peut-être le professeur. Oui, bah c'est lui que je connais, je viens de te le dire. Le crâne va nous prêter main forte. Bah ouais, mais ça compte sur un gosse de 8 ans pour sauver le village, wesh. Je donne mon autorisation, c'est lui le chef. Lucia. Ah, énervé. À condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Faudrait peut-être savoir si j'ai les qualités avant de donner l'autorisation, peut-être. Je dis peut-être, bien sûr. C'est quoi ce boss?
Mais moi, j'ai pas besoin de vous pour manger. Hein. C'est-à-dire d'avoir 15 ans environ. À cet âge, c'est la moindre chose que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Oh, 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 oh. Y a pas la bourse ici. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable. Ah, mais c'est l'ancien temps là, Timoche. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé, mais elle fait trop la meuf, elle. Viens, duel tout de suite, je t'allume ta mère. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Jure, je vais la gérer, la vende. Mais c'était ironique, je suis con, moi. Lardy, les beignets de patates habituels pour 3. Frérot, y a pas de à emporter. Ah non, mais je... Mais sur Play 1, là, le... Merci, le Vosgiste, pour les 5 subs. Merci, Bella. Ok, je la ferme, c'est bon. Il y a 2 sons dans le jeu. On peut vraiment calculer le nombre de pixels sur certains plans. Mais les gars, San Andreas sur PSP, c'est vrai que ça se tape, hein. Ah, je vais pas faire tous les dialogues parce que là... Ça, là, il m'abatte avec les dialogues. Je lis tout, hein, mais... Ça, j'ai envie d'aller affronter des Pokémon niveau 80 direct, là. Eh oui, 3 Pokémon. Oui, oui, c'est moi. C'est moi. En gros, là, on est à l'époque où tout le monde se chiait dessus quand il voyait un Pokémon. Parce qu'il pouvait se faire attaquer. Et du coup, moi, je suis une légende. Vu que je viens du futur, bah, j'ai pas peur des Pokémon parce que c'est nos potes, t'as vu. Vas-y, Lardy, nique ta mère, toi, tu me casses les couilles, frère. Fais que de mal parler de moi, wesh. Lardy, on va t'attraper. C'est vraiment délicieux, c'est so tasty. Attends, on a mangé à midi, il fait nuit là. Ouais, je l'ai redit là. Mais ils ont bouffe illimitée ou quoi? Là, on va dormir et le lendemain, je vais faire le truc avec Selena. Ce soir, tu dormiras au logis. Oh, j'en peux plus, sa grand-mère. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village. Oui, oui, c'est ce que je veux. Je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Mais ça me va. Mais est-ce qu'on peut, on peut prendre cette branche? C'est un open world. Normalement, on peut faire ce qu'on veut, non? Je veux... Oui, je veux la rue, je veux dormir dehors. Oh non. C'est le fail plutôt que la faille. Ça, parler au PNJ, ça nous donne des trucs ou pas? Je pense que c'est notre début du jeu, ça donne rien. Merci Laymon pour le subprime, bro. Thank you very much. Ça va, on est bien logé, ça. Hein. Ouais, le parchemin, je... Le guide d'aventure réunit toutes sortes d'informations qui vous seront utiles dans vos recherches à travers. Vous pouvez consulter. Ok, je m'en bats les couilles. Je m'en fous, frère.
OMG. Oh non, pas eux, eux je les attrape pas. Le lendemain. Ça dit quoi sur le monde? Bonjour le crâne, tu as entendu l'orage, c'était impressionnant. Le jour de l'épreuve est arrivé, wesh, laisse-moi vivre un peu. Rendez-vous au siège du groupe Galaxy. Comme il fait beau aujourd'hui, j'espère que tu as passé une bonne nuit malgré toutes ces choses nouvelles pour toi. Allez, dépêchons-nous d'aller au siège, le chef nous attend certainement. Je suis fatigué, sa grand-mère. Il y a un mec qui s'est fait allumer sa mère. Oh, le même bureau que Tsunade. Oh, je vais attraper un étourmi. Bah ouais, bah et alors, j'y vais. Merci, s'il vous plaît. Oh, l'abuse, wesh. Je te prête ceci, c'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. Oh, y'a Abra, je l'ai pas vu. Ça, je vais le capturer. Hein. Mais c'est quoi cette sacoche, wesh? Abuse, y'a pas un autre choix. Mais frère, je peux pas respirer, je suis pas libre de mes mouvements. Oh, je pète mon crâne, voilà, je pète mon crâne. Pokémon me sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Mais il est taré, ce mec! C'est mes Pokémon, fils de pute, va! Oh, il m'a scam! Mais il est malade, ce mec! J'ai capturé les trois, il me dit choisis-en un des trois! Ces Pokémon sont intrigués par toi, c'est normal, c'est les miens! Ah ouais, c'est une dinguerie! Vas-y, viens là, Erisand, toi. Dibou frère, vas-y s'il te plaît, va jouer là-bas. Va jouer là-bas. Nous on est des mecs d'Artiflosion, génération Pokémon Or, c'est nous. On représente Pokémon Or partout frère. Et voilà l'un des Pokémon que tu as attrapé sur la page des primaires. Tiens, c'est pour toi, Erickson se trouve dans cette Pokéball là. Cette Pokéball là, allez merci, je peux y aller maintenant. Et non. Ils veulent juste m'aider, hein, parce que c'est mes Pokémon en fait. Mais là, c'est la Team Rocket. C'est les prémices de la Team Rocket, le village là.
Il va me donner 200 Pokéballs. Ok, il m'en a donné 20, ça va. Oh, je n'en peux plus. Ouais, la Team Galaxy, c'est des méchants. Il me faut un Abra, moi. Voilà, un Abra, la chance de baiser, frère. Je vous en supplie, laissez-moi partir tout seul. Ouah, le Kaba. Mais wesh, va avoir des mal de dos. Combat Pokémon. Je m'appelle Persupio, je travaille pour la compagnie Jinko. Oh, je connais Jinko. Le mec était chez Solari. J'ai bien entendu parler de toi, il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça? Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue, ah ça oui. Oh, mais tu possèdes même un Pokémon, c'est vraiment fascinant. Mais je suis une légende, j'en ai trois même. Mais je vais t'allumer, on ne croit pas, j'ai 100 ans d'expérience sur Pokémon. Hein. Oh là là, ils aiment trop avoir des casquettes, les dresseurs Pokémon. Togepri! Togepri! Oh, j'ai mon rêve d'avoir un Togepi. Togekiss, quelle légende! En garde! Mais lui a chassé! Et là, coucou dans sa mère. Ah. On va terminer. C'est lourd le combat en vrai. Attends, on attend de voir les autres compétences, les gars. Et là, il a level up, il a une nouvelle capacité. J'imagine qu'il régène, il n'y a pas de centre de Pokémon, j'ai l'impression. Les Pokémon peuvent parfois apprendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau. Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un Pokémon en combat, ouvrez la sacoche et choisissez un Pokémon et sélectionnez. Ok. C'est la team. Ah ouais, c'est open world quoi. Campement pour dormir, manger et tout. Alors qu'il y a deux secondes, ils hésitaient à te donner à manger. Ah non, c'est un bivouac. Un Kenotor, un Étourmi et un Lixi. Ok, ok, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il fait là, frère? Vas-y, laissez-moi jouer, je vous en supplie, j'en ai un peu plus, ça. Il est venu pour rien, du coup.
Mais là, je vais attraper tous les Pokémon que je vois, je les attrape. Et pleine obsidienne. Elles sont tous sauf obsidienne, frère. Oh, comme par hasard, un Conotor dès le début. Dis pas qu'il y aura un étourmi puis un Lixi juste après. Ok. Mais j'ai rien compris là. Comment je fais pour lock la cible? Qu'est-ce que c'est moche, frère? ZL. Mais non, ZL c'est maintenir pour fixer une cible. Ah si, ok, j'ai rendu. Lui c'est un oiseau, il va fuir si je l'attrape, si je l'approche trop. Un long shot. Ah, j'aurais bien tenté un long shot là. Mais bon, vas-y, tu connais. C'est moi. C'est Assassin's Creed, je te jure. Il y a des baies à côté de l'arbre, là. Je les ai vues. Elle va me dire, mais faut ramasser ça. Et attendez, oh, pas mal, pas mal. Merde, elle va me dire de... Mais où vas-tu? Ben c'est bon, il va pas disparaître, le Lixi. Et lui, il va falloir se battre, c'est ça? Oh, je te jure, il n'y a pas d'ambiance depuis tout à l'heure, frère. C'est sûr, fallait se battre. Vas-y, s'il te plaît, laisse-moi jouer. Vas-y, vas-y, on le baisse sa mère. Sauf les attaques. Ah, il brûle. Ouais, il s'en doit. Frère, laisse-moi jouer, ouais. Je peux pas viser? Ok. Je suis dégoûté pour rentrer au village. Putain, mais non, mais j'aimerais tellement me balader dans les plaines et tout là et capturer un maximum de Pokémon. Pourquoi est-ce qu'on m'emmerde? Oui, bah oui, c'était facile. Oh non, cette musique, au bout d'un moment, elle va nous sortir du crâne. Hein.
Mais ils ont des photos. Oh, la méga ceinture abdominale. C'est bon, j'ai compris le jeu, là, il n'y a plus rien, de toute façon. Ah, mais... Ils nous ont pas encore montré comment on soigne, comment on truc et tout. La botte, elle fait tellement de bruit quand elle court. Ils vont rien me donner ici, donc ça sert à rien que je parle. Même les villageois, premier truc, ils te donnent rien, hein, à part quand tu reviens plus tard dans le futur. Mon rêve de quitter le village. Frère. Et j'ai tout réussi. Non, je veux pas. Je suis bien habillé, moi. Et les sandales officielles. Je veux pas des sandales. T'aimes bien pour l'instant? Pour l'instant, c'est un peu lent, c'est moche. Mais je ressens du potentiel dans le gameplay. Mais c'est vide, c'est moche, on s'emmerde. Après c'est le tuto donc pour l'instant tu vois, mais dans le gameplay il peut avoir du potentiel. Ah, je vais revenir dans le présent, ça va se foutre de ma gueule. Plus 15 d'agilité et 5% d'esquive. Merci Dofla. Elle a pas fait que pour moi, c'est les mini-formes en général. Et la graille, je peux manger quand je veux. Non, mais je veux pas ta casquette, j'ai rien demandé, Zabi. On dirait un facteur, frère. Cela dit, j'ai rien contre les facteurs. C'est juste là, ouais, je vais bosser là. Je suis un dresseur Pokémon, moi. Ah merde, c'est le deuxième étage, je suis con. Mais c'est quoi cet escalier? Comment il est mal foutu, leur bâtiment? Le bleu de travail, c'est vraiment ça. Hein. Oh la stache. Logique, on avait rendez-vous. Il a trop de flow, son kimono. C'est Cormier, le dirigeant du groupe Galaxy. C'est donc toi le crâne? Oui, monsieur. Pour ta chute de la faille spatio-temporelle. Bon, voyons un peu ce que tu vaux. Affronte-moi. Foncez sur lui. T'as l'air courageux, tes techniques de sumo laissent à désirer, mais tu sembles avoir du potentiel. Pokémon, c'est une créature redoutable, je te conseille d'être extrêmement prudent lors de tes recherches. Laissez-moi partir, s'il vous plaît, c'est la fin là! Ouais, j'ai fini l'épreuve.
Je me cache, je reviens plus jamais, frère. Ils nous ont pas montré comment soigner les Pokémon encore. 0 étoile, mon rang. Je vais monter à 8 étoiles, frère. 4 étoiles plus moi, ça fait 5 comme le Brésil. Si tu fais du bon travail au sein du corps des chercheurs, tu monteras en rang. Pour monter au rang au sein du groupe Galaxy, je vais gagner full LP, frère. Faudra que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant cela, tu ouvriras en plus ta mission personnelle, aller à la rencontre de tous. Prends ceci, tu en auras besoin. Une méthode pour confectionner des Pokéballs. Une noix grume et un galet. 3000 balles, oh! Soso, je crois que je vais m'adonner à ce rush d'Ophus là. Je suis si hésitant. Les gars, soyez patients, The Bee. Arrêtons de nous plaindre. Soyons patients. Le tuto est long, mais si après le tuto c'est une merveille, on accepte. Mais c'est vrai que c'est long, The Bee. Je vais spam un peu. Après là, c'est important là ce qu'il nous raconte. Regardez, moi j'ai regardé Bleach là, tous les épisodes de merde, je les ai tankés. Hein. Mais ça sera pas bien. Attends. Quand on va se battre contre un Tortank et tout, va falloir esquiver, lui mettre des pêches, envoyer mon Rissandre. Ah non, pas mon Rissandre, il va se allumer sa grand-mère. Mais mon Lixi, oh là là. J'ai entendu dire que tu avais rejoint. J'en ai rien à foutre. La professeure m'a demandé de donner ceci. Ouais, je fais que de me donner des trucs. Vous recevez un kimono et une culotte longue. Une culotte? Il y a de nombreux commerces au village. Oh, je vais mettre mon kimono. J'espère qu'elle m'a donné le même que le chef. Pourquoi une culotte, frère? Le crâne, l'atelier est par là! Attends, je peux aller mettre ma culotte? Ah, je sais pas. Ils ont trop essayé d'open world, j'ai fait le truc. Merci Utah pour les 10 subs. Merci mec. Thank you, sir. Thank you. Voici l'établi, c'est ici que tu peux confectionner des objets bleus. Ok, super. On confectionne. J'ai monté d'adrénaline là, j'ai trop d'énergie, les gars. Je vais te donner quelques ressources et pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve. Ok, merci. Je vais vous en siffler. Il faut croire en l'être humain et je pense être intelligent. Ok. Eh ben, ça va vite, hein. L'art de la confection. Les gars, j'ai déjà FM des objets sur Dofus. C'est pas créer des Pokéballs qui vont... Vas-y, quoi. Il a dit qu'il avait pas de Pokédex. Il était en train d'essayer d'en faire un. Enregistrer 7, attraper 4. Ok, tâche non. Rapporter 9. Oh, c'est lourd dingue. C'est lourd dingue. Il faut leur faire utiliser des trucs et tout, c'est des recherches. Oh, c'est pas mal du tout. Eh ben, va faire tes tâches, frère. Non, j'ai pas besoin, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Il faut utiliser des attaques avec le Pokémon. Et je sais ce qu'il faut faire. Non, t'as rien entendu. Je veux pas. Je sais pas si les missions secondaires, elles sont worth. Vas-y, tu sais quoi, je vais la prendre au cas où. Emilien, c'est quoi t'as... Ok.
Mais toi, t'as pas le droit d'avoir un Pokémon, toi. Ok, si vous voyez un chenipot, vous me dites, il a besoin de skin. Il a besoin de skin. Tu veux un Lixi, je te donne, hein. Mais j'ai un Lixi, wesh. Il est là, regarde. Putain, mais regardez, moi j'avais pré-shot et tout, wesh. Vas-y, donne-moi un truc. Les oreilles de Lixi. Ah, 3 potions quand même, hein. Ça va, c'est rentable, hein. Une petite photo, mais wesh. Image. Je veux pas, monsieur, j'ai des trucs à faire. Je dois travailler, s'il vous plaît. Pourquoi je vais parler, my bad. Oh yes, je vais pas le suivre. Mais y'a que des missions secondaires. En vrai, je vais les prendre, celui-là. Elle veut que je fasse tous les trucs. Elle va te faire foutre, wesh. Même le professeur Chen, il me demande pas d'être Thomas. Les gars, elle est où ma chambre? C'est là? Oh, si c'est là, je suis une légende. Mais c'est pas chez moi, ça. C'est chez moi. Kimono nickel. C'est quoi une culotte longue, wesh? Attends, faut que j'enlève cette casquette de merde. Pieds nus en kimono, j'ai trop de flow sa mère. Mais non, mais ils m'ont remis des chaussures. Tenue de merde, j'en ai rien à foutre de vous. Pas de Team Galaxy ici. Non mais abuse aussi, wesh. Essayez de l'esquiver. Wow. Une esquive. Ah ouais, ça va être skillé, je pense. Elle s'est foudroyée par un Lixi, le corps de la défense a dû devenir... C'était si gênant. C'est la roulade de Faker, hein. Elle part, là, c'est bon. Mais je... Et comment on esquive? Ok, comme ça. C'est bon, t'as rien besoin de m'apprendre en fait. Bah, il me l'a dit tout à l'heure. Ah, mais faut en attraper en boucle. Franchement, sans la musique, c'est lourd en vrai. Hein.
Kyonotor, il faut en attraper 1 milliard, wesh. Vas-y, on doit jobber, on doit jobber, hein. Viens là, sale chien! J'en ai attrapé 25 000, je les attrape tous, moi. Allez, reste là. Il en manque deux encore. Je sais pas, il n'y en a plus aucun qui spawn. Il n'y en a plus qui spawn. Bon, en vrai, c'est... je le préfère en troisième personne. J'ai un pro player, frère. Wouah, sa grand-mère. Il y en a plus. Ouais, j'ai volé carrément. Bah, je l'ai déjà fait, non? Il est noté combien Pokémon Arceus par les sites ?16 sur 20. Après, le problème c'est que c'est des OP quoi. Wesh, il veut quoi lui? Oh, brûle sa mère! Ouah, il a tornade niveau 2! J'ai tellement de Kyonotor. Y'a plus des tourmis, c'est de ma gueule. Steph Curry. Flemme de me battre contre l'élixir. Lâche-moi. Olé! Olé! Ah,
T'as voulu faire le mec? Le bug t'es wardé. Exactement, mec. Belle blague de Guy. Ok, GG. Ah, y'a des quenotors. Oh, abuse. Bon, vas-y. Là, je crois là il y avait des agrumes. Il y a des balles dans l'arbre. Non, c'est des Oh, voilà toi, Musteboué. J'avais oublié son nom. Ouah, j'ai rafalé sa mère. Et ils sont où les Pokémon que... Ils doivent être dans le PC. Non ! Merde, désolé. Je voulais lancer une Pokéball, mais vas-y. 91, on aime trop la violence. Ah oui, oui, oui. Il y a des multibouilles qui vivent dans le coin. Ah, je sais. Oui, il faut mettre mon Lixi. Voilà. Ah, mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas pu le capturer. Zarma, c'est Call of Duty. Tes HP, ils régènent. L'écran il devient rouge. Je vais te battre contre mon Kenotor, mec. Il va te gonfler. C'est incroyable, frère. Roulade. Oh, il a baisé ça, moi. Pokéball! Mais je crois que j'aurais dû attendre parce que j'ai niqué le truc là. Et comment je fais pour changer ma team là en vrai? On va ramasser le foin par terre. Non, y'a rien. Chenipote, c'est un mec qui voulait un chenipote.
a au moins un des deux qui va marcher, non? Vas-y, vous me forcez pas à me battre, je vais vous casser la gueule, moi. Vas-y, rentre dedans, j'ai la flemme de me battre, là. Oh, le bâtard. Il fuit direct. J'en attrape un autre parce que l'autre, il voulait un chenipod. Comme ça, j'en ai un en plus. S'il te plaît, change ma team. J'en peux plus d'avoir des losers, là. Ta persévérance m'impressionne. Alors voici un petit cadeau, une boîte à outils. Oh jure, je peux craft IRM maintenant. Pas besoin de rentrer au village. Parce que je me disais, je vais commencer à manquer de Pokéball là. Et la recette pour les potions, merci bien. Une Béoran et un soignon. Les soignons, c'est les trucs que je trouvais dehors. C'est broken. Content, content, content. Mais là, ça va, là, on est plus dans la ville, là, vous abusez, wesh. Tout à l'heure, on était dans la ville, ça faisait que de nous parler. Là, ça va, le jeu, il avance, là. Mes frères, c'est un cahier des charges que je dois avoir là. Ça passe pas, ça passe pas. À côté de l'eau, il doit y avoir des Pokémon. Je pense qu'il y a... Je pense qu'on a fait le tour des types de Pokémon. Ouah, l'eau, comment elle est pixelisée, sa mère. Oh, il y a des Evoli! Putain merde, je voulais cancel, elle est pas par... Elle sait pas cancel sa grand-mère. Comment c'est vide par contre, c'est une dinguerie. Et là si j'envoie... Il le casse ça ouais. C'est quoi, vas-y, je te capture, c'est un bon. Merde, je voulais le capturer, sa grand-mère. Okay. J'ai mis stick, j'étais pas sur mes Pokéballs. Hey! Wesh, c'est un galop pas énervé, sa grand-mère. Vas-y, ta grand-mère.
T'es tombé ma gueule, faut y aller. Il est niveau 40, frère, ouais. Galopin, baron, nageur. Moi et pour lui. C'est pas capturable, on est d'accord. Let's go, Ponyta. Si, si, c'est capturable. J'ai capturé son petit peu. Ah, je les capture, je finis le jeu ce soir, frère. Attends pour les recherches. Pour les recherches, pour les recherches. S'il refait déflagration, c'est lourd. Là, s'il refait déflagration, j'apprends un truc. Regardez. Je peux pas, il est niveau 40, frère. Ah, je me suis un peu écarté de la maison là. Toi, wesh, tu fais quoi, mon Clonosaur, wesh? Il est parti chercher les baies, il est malade, ce mec! Ouais, en vrai, si le jeu était plus beau, ça serait une dinguerie, hein. Mais il fait mal, ce bâtard! Il fait trop mal! Trop, trop mal. Après, ça me sert à rien de les capturer là. Il m'en manque un encore. Ah, la flemme de me battre, c'est bon. C'est vrai que je peux peut-être leur jeter de la nourriture en fait. J'ai entendu un bruit de serpent, il y avait un abo ici. Ah non, en fait c'est juste le bruit des feuilles. Thank you.
Frère, rends ma baie, wesh. Commence à rentrer dedans, s'il te plaît. C'est bon, j'en ai attrapé 3. Y'a trop de trucs à faire, frère. Y'a trop de trucs à faire. C'est bon, les Kenotors, je prends là. Je prends full ressources, comme ça au moins c'est fait. Là, je dois remonter au bivouac. T'en penses quoi du jeu? Pour l'instant, ça va. Hein. Je vais rendre mes quêtes. Ouais. Sinon, je sens qu'on va pas pouvoir avancer. On va pas pouvoir avancer sérieusement dans le jeu. C'est bon, moi, je l'ai pris en main. C'est juste dommage que ce soit moche. Si le jeu... Oh, il mettait un an de plus à sortir. C'est le jeu du siècle. Un an de plus, c'est le jeu du siècle. Un an de plus, c'est le jeu du siècle. Ça, je suis jeu farm bien là, en vrai. Ça se voit, on dirait que ça a fait 50 heures de jeu que j'ai là. Je cours, j'envoie mes trucs, bang bang, tout blao. Moi, je professeur. Concrètement, ah, mais ça donne des récompenses, ok. Ouais, y a pas beaucoup de dresseurs du coup, je pense. Oh, j'en ai fait, frère, wesh. Ouais. 2000 balles, let's go! Je suis toujours un membre 0 étoile. Atteignez le niveau 10 pour compléter la page d'un Pokémon et obtenir toutes les informations à son sujet. En remplissant les tâches ou des pages du Pokédex, vous obtiendrez des points de recherche Pokémon. Niveau de recherche, 8. Il aime bien ça, ok. Niveau de recherche, 8. Niveau 9 pour Lixi. Ça avance, ça, hein. Ouais, je suis toujours rang membre 0 étoile. Putain, je suis venu pour rien, je suis dégoûté. Et je peux pas soigner mes Pokémon en balle là? Y'a pas d'arène, les badges et tout, non, y'a pas. Et je peux pas changer ma team Pokémon? Encore, j'imagine. Ah si, c'est par là. On va prendre un Mustboué à la place du Kenotor et allez, tu sais quoi, le Ponyta, on va l'XP un peu. Le Chenipote, je retournerai au village plus tard pour le donner au mec. Par contre, j'ai pas de quoi faire 1 milliard de Pokéball, faudrait que j'en achète. Je vais d'abord faire le truc là et puis je vais en acheter. Faut que j'en attrape 12 encore. Non, faut que j'en attrape 12 en tout, pardon. Faut que je vois. C'est vide en ça. En ça, il y a des défauts, tu vois, mais bon, tranquille. Normal. Mais du coup, il faut quoi encore?
Spécimen vaincu. Ok, il faut que je les batte. Bon, ah. C'est le boulot, hein, on n'y peut rien. Merde, my bad. C'est le boulot, on n'y peut rien. Ouah, il m'a allumé ma mère. Là, je le touche avec la brûlure, non? Ouais, ça me prend. Ouais, je suis avec ses cendres, miskin. Ah non, j'ai eu du sable et fort. Ok, il faudrait que... Ok, il faudrait que j'en batte encore un. Togepi, il n'y en a pas encore, je ne les ai pas vus. Et Tourmi, il faut quoi? Il faut que j'en batte. Et que j'en fasse évoluer, ok. Je peux en attraper un pour un nouveau truc. Que Notor, j'en ai attrapé combien? Je sais pas. Vas-y, je vais me battre et les attraper. Ouah, il fait nuit, on dirait. Il y a eu... Ils ont mis Flux dans le jeu, ouais. On bouge plus. Ok. Les tourmis est sur ses gardes, on attaque. Non, il a fui. Il a pas le droit de fuir, wesh. Ouah, il est tellement loin. Après, la perspective, vas-y. Non, putain. J'ai l'impression qu'il était juste à côté, wesh. Commence pas à fuir. Hérisson, t'inquiète, je vais te donner des potions. Oh, un HP avec coup critique. Waouh. Un HP, sa mère. Comment on ouvre la sacoche avec ça? Ok. Du coup, à chaque fois, je dois vérifier. Ok, là, j'ai 6 trucs non rapportés. Spécimen vaincu par une attaque de type sol. Première fois où l'espèce a utilisé morsure. Mais wesh, là, je suis vraiment en mode recherche, là. Là, si je reviens, vous pensez que je passe à une étoile? En fait, c'est comme ça, après, je peux débloquer la suite, quoi. Oh, ça suffit, moi, là. Ouais, j'ai un beau drume. Ah merde, c'est beau drive. Hérissandre, tiens bon. Attaque la mèche. Mais pas, il tourne le dos. Ouais. Ça, on tente une Pokéball. Elle... Il est level 2, il est level 2. Let's go. Et y'en a deux. On tente. Il en a un V2, le skin. Easy clap. Ah mais c'est parce que c'est la nuit. I got it. Et donc les Pokémon sont différents la nuit. C'est logique. Mais du coup là le but c'est vraiment de spam sa mère.
C'est un truc de farmer, quoi. Wouah, j'ai fait tel... Wesh. J'ai fait trop de points, sa mère. Bah c'est bon, là, j'ai une étoile. Ok. Y'a du multi dans le jeu ou pas? Je pense pas. En vrai, je vois pas comment ils incluraient du multi. À part des échanges, je vois pas. Si, il doit y avoir des échanges, y'a pas de combat, je pense, non? Juste des échanges, ouais, voilà. Ouais, c'est un jeu de grind. Est-ce que c'est passionnant à stream? Je sais pas. Après, c'est nouveau, donc là pour l'instant ça l'est. Mais est-ce que c'est. Eh, c'est bon, je suis étoilé maintenant. Oh, c'est, les badges sont remplacés par les étoiles. Joue en voulant faire la meilleure équipe avec les Pokémon que tu vas voir en te baladant et tu auras plus de fun tout en faisant les quêtes. Tu verras, c'est ultra fun. Ah, dans tous les cas, c'est ce que je vais faire, hein. Ah ouais, ok, donc en vrai dès que... Ouah, je peux faire des rappels et tout. Déjà une étoile, en vrai je suis allé vite hein. Je pense que je suis arrivé trop vite là. Je pense que j'ai speedrun de baiser. Ah, c'est parce que mécaniquement je suis meilleur. Du coup là je vais avoir accès à une nouvelle ville, c'est ça? Ouais. Après ils ont pas pris du temps. Après ils ont pas mis plus de thunes, frère. Parce qu'ils savent qu'ils vont vendre Pokémon. Peu importe ce qu'ils sortent, ils vont vendre, frère. Ouais, je vais donner le chenipot, t'inquiète, j'ai pas oublié. Elle veut quoi? Elle veut se battre, elle veut se battre. Elle veut tester le crâne. C'est un jeu dropshipping. Mais je jurais que... J'ai juré que... Pas mal. Oh, trop bien, y'a pas besoin de le changer dans la team et tout. Oh frère, appelle-le Jean Charme. Miel qui brille. Bon, vas-y. Il m'a juste donné du miel. Bon, elle va vouloir se battre, c'est sûr. Ah, c'est sûr, frère. C'est la rivale un peu. Pikachu. Non, pas lui. Pika, merci, ils lui ont même pas mis de voix, wesh. Merci viewer de l'ombre mystérieux, merci Isoka pour le resub.
Gars, j'ai pas que ça à faire. Merci Rarouzer. Elle a qu'un seul Pikachu. Os. Erisandre, tiens mon ventre, ça a du flow là. La reine et tout. On joue la range, on joue la reine. Ah. Il tape avant moi. Il tape avant moi parce que... On va lui envoyer un Conotor bien... Bien Lubia. Ça lui fait rien du tout, ça. Putain, il fait que de le paralyser, frère. C'est broken, il paralyse tout le temps, ouais. Pas grave, Conotor, on s'en fout. Il était là juste pour tanker. Là je veux qu'il élimine mes Pokémon. Arrête, lui fait vive attaque. Je veux qu'il élimine les Pokémon que je veux pas exprimer, mais en fait tout le monde fait chou. Les gangs des Pika Pika. Bah tout le monde a level up, frère. Ah, il en a rien à foutre. Bon, vas-y, je m'en fous. Wesh, c'est qui elle? Je m'appelle Blaylee, je suis la chef du corps de la défense. Pas de doute, tu as du talent pour le combat, mais je pense que je peux te donner quelques conseils qui pourront t'aider. Chef Belila maîtrise aussi un art martial ancien qui consiste à faire combattre les Pokémon. Style rapide. Ah, c'est ce qui me faisait tout à l'heure le galopard. Cette fois, la puissance est moindre, mais il devient possible d'agir plus rapidement. Grâce à ce style, tu pourras parfois attaquer deux fois avant que ton ennemi ne réagisse. Ok, ça a ajouté un truc en plus. Ça consomme plus de PP. Ok, c'est pas mal pour finir. Rengganu, elle le plie en deux. Hein. Vas-y, on y va. J'aimerais bien acheter de nouvelles chaussures. La requête de Ryza. Putain, mais dommage que ça soit moche, frère. Ici chez moi. Je vais mettre des claquettes en ça. Les gars, le jeu il était beau, c'était terminé. Moi je veux juste voir la prochaine ville quoi. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y aura de prochaine ville, mais la prochaine zone où on peut capturer des Pokémon. Tu vois là, c'est grisé, c'est là-bas qu'on pourra aller.
Mais de la musique, je t'en conjure. Eh non, parce que des fois, il y a de la musique en même temps, c'est un enfer. Mais non, encore lui. Encore elle, pardon. Une technique efficace pour attraper les Pokémon. L'approche surprise. Tu envoies une Pokéball dans le dos d'un Pokémon, tu le surprendras, il sera plus facile d'attraper ou ça te donnera l'avantage si tu engages un combat. Si vous touchez un Pokémon dans le dos avec une Pokéball, celui-ci sera plus facile à attraper, il sera désavantagé en combat. On appelle cette technique une secrète, une approche surprise. En vrai, c'est lourd là, parce qu'il y a de la découverte. Ouah, il y a tellement de monde. Il y avait Sonper tout à l'heure, bande d'acteurs. Un champi tout mou. En vrai, je vais prendre les quêtes. Hein. On est là. On... Elle élevait un Pokémon, c'est sûr. Les Krizik. Ok. Ok. Pas mal, pas mal. Puis j'ai besoin d'acheter des Pokéballs. C'est vrai que je peux faire des Mass Balls maintenant. Je vais en acheter 20 en plus. Ouais, l'ambiance sonore, c'est... Soit tout, soit rien. Je pense que je peux rien confectionner. Hein. Galets noirs, j'en ai pas encore trouvé. Et j'ai plus de noix grumes. Une potion. Et on peut y aller. Le jeu est vraiment vide. Il a des défauts, mais. Ça, il a du potentiel aussi. Vas-y, me rend pas fou, ici. Faut en capturer des. Faut en capturer des ressources. Eh ouais, j'ai une étoile, poteau. Il m'a dit ça alors que là-bas il y a un galopin niveau 40, frère. Bon, c'est parti pour parler pendant 2 heures. Salut. Voilà, des bottes des vraies bottes. Moi, je suis en claquette. Je suis là pour la mission, mais je sais pas c'est quoi la mission, moi. Le clan diamant. Toi, tu penses être la hauteur, tu sais faire combattre les Pokémon, oui. Alors, vouloir un combat direct? Ah non. Lui, c'est mon partenaire Goinfrex. Nous avons grandi ensemble. Il est comme un frère pour moi. Pas besoin de l'enfermer dans ces espèces de balles pour qu'il puisse se battre. Ah, je t'ai rien dit, moi. Conotor, c'est mon charbonneur. Personne les aime le Conotor, moi c'est mon charbonneur. Ça, il y va, il met ses dégâts, il tank. C'est bon, il est mort, parfait. Il tâte le combat, t'as vu? On va voir ce qu'il donne Etourmi. Petite attaque vol. Ah, c'est pas très efficace quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le style puissant et rapide. Oh, ciao Etourmi. J'avais oublié cette merde. Ok. Mais en vrai, ça change tout le jeu ça. Ah, j'ai pas encore avec Flamèche.
C'est puissant, mais c'est vive attaque. Du coup, c'est puissant et rapide à la fois. C'est injouable, frère. Ah ouais, je pensais pas que j'avais un Ponyta, hein. T'as le seum là. On voit un frex tout pourri. C'est pas grave, c'est pour faire XP l'autre partie de la team, les gars. Soigne mes Pokémon, s'il te plaît. Voilà, tu m'as haggard un peu, merci. Elle m'a déraillé, sa grand-mère. Oh, elle m'a donné full ressources en plus. Ah, c'est tout. Oui, oui, le héros des légendes, c'est moi. Je veux que tu battes le baron qui dévaste le plateau Sermon. Un baron, pour résumer, c'est un Pokémon très grand. Ah, t'inquiète, j'ai vu tout à l'heure. Mais si c'est un galopard, on est foutu, hein. En tout cas, c'est bien le plateau Sermon qui l'indique. C'est à toi de jouer, je te souhaite bon courage, le sang. J'ai l'impression que c'est pas n'importe qui votre dernier recrue du corps des chercheurs. Eh ouais, c'est moi, wesh. Le grand Sino, bien sûr, je sais pas ce que c'est. C'est le pays. Putain, mais je connais, wesh. Okay. Bon, vas-y, on y va.